On s'écarte pour voir ce que ça donne. Ouais. Peut-être que je rajouterai un bloc en haut et un bloc en bas pour que les bandes soient plus épaisses, mais je trouve que ça ne dépare pas complètement, ce n'est pas totalement un style différent du reste du village, donc ça va. Alors, allons voir au sommet, où on n'a pas terminé. Tac. Ouais, j'ai réussi à entrer quand même. Vous voyez, c'est important de mettre les boutons en bois, parce que sinon, je me prends les pieds dans la carpette et j'arrive, je me fais claquer la porte au nez, c'est insupportable. Bon, alors vous voyez ici, avec des blocs en plus, bah, ça donne quand même un peu de place pour bouger. Ensuite, je me dis que, à mon avis, ce serait bien si on mettait comme ça alors. Ouais. Pas mettre un bloc de terre, c'est quand même pas. C'est fait pas trop. Tac. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, pour bien faire, il faudrait un toit. Toit alors. Ouais. Toi, mon tout, mon toi. Bon. Tant qu'à faire, et si j'empêchais les mobs d'apparaître au-dessus, hein? Ce serait pas con ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que j'ai retiré la terre de ma hotbar, ce qui m'empêche de grimper là au sommet. Voilà. Voilà. Poup-poup-poup-poup, par contre, je n'aurai probablement pas la place pour faire une verrière autour. Je ne suis pas sûr. Je vais y réfléchir. Et en attendant, on va faire une petite modif un peu plus facile. Je vais... hop. Voilà. Remonter là. J'ai des briques moussues. Et comme on est à côté de la mer et que le temps et les intempéries et les embruns ne sont pas toujours très tendre avec les constructions, eh bien ça veut dire que ici, ah tiens, au fait, j'ai pas pensé à mettre de briques mou... de pierres moussues là, mais j'en ai mis que sur les bords en fait, c'est con ça, tiens. Bon, bref, alors voilà, comme ceci, pas mal, j'aime encore bien, ouais. Ploup. Ceci. Allez, reviens, fais pas ta mijaurée, viens. Ouais. Voilà. Alors, ensuite ici, tchut. Principalement là. Ok. Voilà, et là nous avons ce qu'il faut. Je vais peut-être en mettre un là. Ok. Bien, eh bien, je vais, à mon avis, agrandir la bande de couleur rouge, je pense. Il me semble que ce serait mieux, ouais. Ce serait plus équilibré, quoi. Et puis je vais faire un... je vais réfléchir à la partie supérieure. On se retrouve tout de suite. Bon, alors j'ai réfléchi. Et en fait, je pense que la seule chose que je puisse faire pour que ça donne relativement bien, c'est faire une verrière ici autour. Malheureusement, donc j'ai dû retirer ici la rambarde et on ne pourra même pas faire le tour. Alors vous allez me dire, je pourrais très bien faire ça. Mais alors, dans ce cas-là, je ne peux pas... enfin, il y a les panneaux de verre qui vont pas... vous voyez ce que je veux dire? Ils vont tourner dans le vide, quoi. Soit vers l'intérieur et là on ne pourra même plus passer ici, hein, ça va coincer.
soit vers l'extérieur, et bah, on pourra peut-être faire le tour, mais en s'accrochant avec Shift, hein, je sens bien. Je le sens bien. Donc, tant qu'à faire, autant faire ça. Bon, je pourrais rajouter ici des slabs, mais peu importe. Quant à ça, à mon avis, c'est pas assez haut. J'ai pu le constater vu d'en bas, vu de là, et même vu de là. On a l'impression que cette partie ici n'est pas assez haute, en fait. On a à peine la possibilité de voir les lanternes. Donc, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est descendre tout d'un bloc pour que on puisse bien voir les lanternes. Ah ouais, ça c'est une solution. C'est la solution qui demande le plus de travail. Ouais, mais, il me semble que ce serait payant. Alors, j'ai décidé de faire la partie supérieure en rouge. C'est pour ça qu'on aura ici des briques et le toit aussi sera en briques. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je descends tout d'un bloc ou pas? Oh là là, comme ça va me faire. Hein? Oui, ça va me. Ça va. Oh oui! Oh là là! Ça va vraiment me. Oui. Hein? Je pense aussi, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être très très. Oui. Oh oui! Mais ma foi, si ça peut donner quelque chose, ça pourrait valoir la peine quand même. Ouais. Bon, me regardez pas comme ça va, je vais le faire. Bon, je vais descendre tout d'un bloc, comme ça on pourra voir plus facilement les. Ah, les lanternes, oui, bon. D'accord, ça va, je m'en occupe, je m'en occupe. Bon, en attendant, on va faire le toit. Hein? Je vais faire un toit-toit. Donc, ici, comme ça, il faut monter. Le toit sera ici. J'avais utilisé des escaliers. Oula! Bon, ça fait deux fails en une vidéo, ça fait quoi? Ça commence à faire beaucoup tout de même, hein. Fichtre. Ça perd l'hypopète, on finirait par croire que je suis maladroit. La 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 la. Voilà. Bon. Y avait pas un escalier là? Ah, il est là. D'accord. Check, 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 admettons. Voilà, on va faire quelque chose qui ressemblera à ça. Ici, je pense que je vais faire le tour. Bah oui, je vais faire la même chose qu'en bas, hein. Ça va être symétrique. Comme ça. Allez, mon gars. Oh là là. Oh oui, ça c'est. Oh oui, c'est parfaitement bien. Exactement où je voulais le faire. Alors. Ah, je viens de penser à un truc, c'est que si je mets des panneaux de verre, je ne pourrais pas faire de porte comme j'avais l'intention de le faire. Oh là là, que d'ennuis, que de problèmes! Oh là là! Et grâce au slab que j'ai mis là par erreur, eh bien il m'en manque un. Super! Voilà. Monsieur le slab, tu n'as pas honte? Non mais. Bon, récoltage des blocs. Voilà. Sauvage des NPC, des villageois, n'est-ce pas? Ensuite, le tout c'est de d'éviter. Ça donne quoi si je mets ça là? C'est d'éviter que les mobs puissent apparaître sur le toit, ça m'arrangerait. Donc si je pouvais éviter d'utiliser des blocs pleins. Ce serait un bonus. D'un autre côté, s'ils apparaissent sur le toit, bah c'est tant pis pour eux. De toute façon, ils pourront aller nulle part, vu que. Ah si, ils pourraient sauter ici, oui. De fait, non, c'est. Non, non, j'ai pas envie. J'ai aucune envie que ça arrive. Bon. Oh, mais c'est pas vrai! Hein? Il a décidé de m'ennuyer. Bien. Ensuite. Poum. Ouh, je suis léger en briques, moi. Comme ça. D'un autre côté, je pourrais peut-être mettre un bloc de glowstone là pour qu'on ne verrait pas. Oh, mais j'ai plus de slab non plus. Oh, c'est pas possible. C'est une conspiration. Attends, est-ce que j'ai mon workbench sur moi? Ouais. J'ai le workbench. On va workbencher alors. Tac. Hop. Ok. 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, admettons. Ah, j'ai remarqué hein, le double-clic, quand on bouge un peu la souris pendant qu'on double-clique, ça marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Voilà, alors. Pour bien faire, ce serait plutôt comme ça. Mais d'un côté, manifestement, je lui ai donné un côté plus carré. C'est un peu involontaire. Oh, c'est pas terrible ça. Oh, pas terrible. Et si on essayait les escaliers? Voilà. Ça donnera la même. Ah non, ça donnera pas la même, non. J'ai failli dire une bêtise. Eh, allez! Vous n'avez rien entendu, vous pourrez rien prouver. Voilà. Comme ça. Ouais, ça va faire un petit chapeau. Pouet-pouet. Admettons. Et comme on ne peut pas le voir d'ici, eh bien, je vais mettre un bloc comme ça. Bon. Ensuite, je vais pas placer le verre tout de suite. Hein. Alors, la porte ici, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je pourrais peut-être mettre des blocs de verre ici, juste ici, juste pour pouvoir mettre une porte. Et alors, il y aura des panneaux de verre sur tout le reste. Du. Ouais. Peut-être. Bon, alors j'ai tout ceci à redescendre d'un bloc. Je vous retrouve quand c'est fait. Bien, nous voici descendus d'un bloc. J'ai rajouté ici des vitres pour donner une sensation que c'est un peu plus rond. Par contre, j'ai remarqué quand je regarde de loin que ce toit a l'air plus carré qu'arrondi. Ça m'arrange pas. Alors, ce que je vais faire, c'est supprimer les blocs de coin. Ici, pop, pop, pop aussi. Et tant pis, les panneaux de verre vont tenir par le miracle du Saint-Esprit. Et tant pis pour eux, hein. Voilà. Alors là, pop. Vous aussi. Voilà. Ici, on a des blocs complets pour la porte. Ça nous donnera l'avantage d'avoir la possibilité probablement de faire le. Tant pis! Faire le tour du bâtiment à l'extérieur, sur leur bord ici. Qui est ces arrondis, ça devrait aller bien. Alors, le gros suspense, c'est est-ce que j'aurai assez de panneau de verre, et la réponse évidemment sans surprise c'est non. Ben non, évidemment non, sinon c'est pas drôle. Voilà, alors on va commencer par ça. Bon, je vous dis tout de suite, je sais pas à quoi ça va ressembler hein. Ça c'est la surprise qui se trouve dans le paquet Kinder. Là. Voilà. Alors, ici. Comme ça. Ouais. Là. Ouais. Et allez, laisse-moi passer. Voilà pour le premier contour. L'étage le plus haut. Voilà. Comme ça. Alors, bon. Ce que je me demande, c'est est-ce que j'arriverai à passer ici. Oui. Il doit dans le nez. Eh ben parfait, tant mieux. Voilà. Alors, hop. Bouge-toi toi. Voilà. Extraordinaire, j'ai pas encore mis de panneau où il fallait pas. Dingue. Par contre, je suis largement trop juste au niveau des panneaux, hein. Ça se voit à l'œil nu. Ça? Ouais. Là. Là. Là? Oui. Ça a l'air. C'est ça qui est un peu gênant ici. On voit que le panneau de verre n'est pas. Mais. Tant pis! C'est comme ça. Alors, on va en faire d'autres. Crafting table. Voilà. Trut. Boum. Ah!
2 fois 64, c'était peut-être un petit peu exagéré, hein? Bon. Tout à fait. Là, là. Ok, ça s'accroche. Bah, en fait, j'avais peut-être déjà terminé. C'est con ça. Peut-être de faire deux stacks pour rien, en fait. Si ça se trouve. Ah non, pas ici. D'accord. N'empêche qu'une stack de verre, ça aurait été largement suffisant. Mais bon. Oh! On n'est plus à ça près, hein? Je vous passe toutes les bêtises que j'ai pu faire pendant ce projet. C'est... Voilà. Voilà. Alors, nous avons comme avantage qu'on peut en faire le tour à l'extérieur. De l'intérieur, ça donne quoi? Ça va, hein? C'est comme ce que doit donner un... Oui, il y a ça, quoi. Hein? C'est pas classe. Et... Ouais. C'est pas hyper classe, mais enfin bon. Alors, nous allons aller voir ça d'un peu plus loin pour voir si la forme est convaincante. J'ai aussi agrandi les lignes rouges ici le long de la tour. On va voir si ça donne quelque chose. Ouais, ça peut aller, hein. Il me semble que... Ah, et il se met à pleuvoir. Voilà. Je trouve que ça peut aller. Ce n'est pas une catastrophe totale en tout cas, hein. Ça va encore, c'est pas trop mal. En tout cas, on reconnaît, on sait, on voit ce que c'est, hein. C'est pas trop moche. La forme n'est pas mauvaise. Ici, j'ai rajouté donc des pierres moussues. Alors décidément, hop hop, tac, voilà. Alors, il manque un truc que je n'ai pas fait. Je demanderai à Momotrac de venir me donner un petit coup de main pour le faire, parce que je pense qu'il est plus qualifié que moi pour le faire. Hop, ici. Oui, ici en dessous, juste ici au-dessus, il y a une torche de redstone. Donc, elle monte jusqu'au sommet, et ce sont elles qui alimentent les lanternes du phare. Et donc, ce que je désire faire, c'est à la base de la tour, au rez-de-chaussée, ici à l'intérieur, voilà, ici là où il n'y a pas grand-chose d'intéressant, hein, sous l'escalier, on pourrait ici avoir une manette par exemple, et quand on l'active, eh bien ça se met à clignoter parce qu'en dessous on aurait un timer. Hein, vous voyez, ça pourrait être sympa, ça pourrait être pas mal, voire même. Maintenant que j'y pense, j'ai pas d'escalier en cobblestone, non. On pourrait faire un escalier qui descend dans la base, hein. Soit c'est un accès maintenance, ou bien une trappe d'or et une échelle, pourquoi pas. Ma foi, pas de raison. Mais ça, c'est pour une autre fois. Aujourd'hui, je pense que notre projet est terminé. Il aurait pu tourner bien plus mal que ça, parce que faire un phare dans Minecraft, ce n'est pas toujours évident. Je trouve que la forme n'est pas mauvaise. Je vais aller le. Bah, je vais vous faire un petit survol en créatif. Hop, comme ça. Tac, tac. Voilà. Ce. Ouais. Oh bah oui. Hein? En plus, on a même les. Vous voyez les. Les parties grises qui sont approximativement de la même grandeur, de la même taille, ce qui fait que l'ensemble, ça va quoi, c'est... Il manque plus que la corne de brume et... ou la cloche, je sais pas. Quand il y aura du brouillard. Ça, c'est un truc qui manque dans Minecraft, il n'y a pas de brouillard. Enfin, vous allez me dire, pour avoir du brouillard, il suffit de diminuer sa distance de vue. Oui, c'est tout à fait pertinent comme remarque. Enfin voilà, le phare de notre village est à présent terminé. De la même manière, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a plu. Retournez à une activité normale telle que écouter les cornes de brume ou jouer à Minecraft. Et nous nous retrouvons à l'avenir pour une autre vidéo. À bientôt!